Quand vous vous inscrivez sur Uber, après avoir mis tous les documents en ligne, souvent vous recevez un email pour vous dire « Nous vous préviendrons quand vous pourrez effectuer des courses ». Si vous contactez l'assistance, ils vous diront qu'il y a assez de livreurs dans votre ville, et donc qu'ils n'acceptent plus les nouveaux inscrits. Dans ce cas, il y a une technique pour pouvoir vous inscrire et être activé directement. Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Le problème vient de la ville que vous avez entrée lors de votre inscription. Si vous mettez une ville où il y a beaucoup de livreurs, vous ne serez pas accepté. Gardez à l'esprit que peu importe la ville dans laquelle vous vous inscrivez, vous pourrez livrer dans n'importe quelle ville de France, ça n'a aucune importance. Vous allez donc devoir recommencer votre inscription en mettant une ville où il n'y a pas beaucoup de livreurs. Maintenant vous allez me dire, comment savoir dans quelle ville il n'y a pas beaucoup de livreurs? Eh bien pour le savoir, c'est très simple. Appuyez sur les trois traits en haut à gauche de votre écran, sur la page d'accueil quand vous ouvrez l'application. Ensuite, appuyez sur « Opportunités ». Cette partie est faite pour vous indiquer les villes où il y a des bonus. Je vous explique le principe des bonus. Lorsque dans une ville, il n'y a pas assez de livreurs, Uber donne des bonus aux livreurs qui vont livrer dans ces villes, comme ça attire les livreurs à aller travailler dans ces villes. Les revenus nets garantis sont des bonus qui consistent à ce que Uber complète votre paye si vous ne faites pas le chiffre. Par exemple, on voit ici, 14 euros net garantie. C'est-à-dire que si vous livrez dans cette ville pendant une heure et que vous faites 10 euros, Uber vous rajoutera 4 euros en plus. Comme je vous ai dit, ce bonus est fait pour attirer les livreurs quand il n'y en a pas assez, donc dans cette ville, il manque des livreurs. Cliquez dessus, et le nom de la ville s'affiche au milieu de la zone bleue. Ici la ville est Autun. Donc au moment où je fais cette vidéo, si vous vous inscrivez et que vous mettez la ville de Autun, vous êtes sûr que votre compte sera validé le jour même où vos documents seront validés. Mais ça change souvent, peut-être que dans une semaine, Autun ne sera plus une ville en demande de livreur. Vous devez donc vérifier vous-même la ville avec un gros bonus. J'espère que cette vidéo vous permettra de travailler et de commencer à faire de l'argent, n'hésitez pas à la partager aux personnes que vous connaissez qui veulent s'inscrire sur Uber. À plus les cousins.